Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4 dans notre série intitulée La teutonisation des lois du marché. Nous étions en guerre contre le Japon, oui c'est exact. On avait réussi notre débarquement et une petite armée japonaise juste ici, intéressant. Faire attention peut-être qu'elle nous... Attendez. Petite seconde. Non, bah, je comprends pas. Bon, bref, c'est pas grave. On va relancer le jeu, de toute façon, on verra bien ce que ça va donner. Oh mon dieu, le jeu est rame depuis que j'ai fait la mise à jour. J'en ai marre. Ah, là, c'est mieux. Oh, c'est un peu mystique quand même, hein. Bon, ils ont... Il y a toute leur armée. Ça donne quoi le Japon en termes de puissance là actuellement? Qualité des armées ennemies. Ah ouais. En fait, je m'en faisais, mais en fait, je devrais pas quoi. Ici, ouais, peut-être pas la meilleure des attaques, mais ça pourrait être intéressant. On va voir si on peut prendre le fort. Bah, on l'a pris, c'est parfait. Donc, on va se regrouper. On va prendre notre... Ouais, combativité, je pense qu'on n'aura pas mieux. Hein. Ah si, on peut avoir mieux, mais celui-ci est pas mal. Il a combien lui? Il a un de chaque. Donc là on va lui faire très très mal quoi. On va maxer là-dessus je pense. Hop. Et on va y aller. Ils sont 10-4 plus que nous mais étrangement ça me fait pas plus peur que ça. Voilà. Bon déjà. Bonjour. Phase de choc. Phase de feu. Ouf. Ils font des bons jets de dés quand même hein. Voilà. Ouais, attendez, si je peux me taper aussi ça gratos, je vais pas me gêner. Hein. Ah, notre armée est arrivée. Bah, c'est une bonne nouvelle. Donc le fort est sécurisé, on va rester là, on va rester là. Normalement, il y a une autre troupe qui devrait arriver. Voilà, elle est arrivée, parfait. Et là, on va pouvoir faire les blocus qu'on sait bien faire. Donc, ok, on va avancer ici. On va se regrouper. On va prendre un... Bon, on va prendre ce territoire déjà. Ce split, voilà. Coup déconseillé, très bien. Ah mince, les séparatistes mongols. Je vous avais totalement omis cela. Allez, va par là. On va faire le tour si t'en as envie. Ok. On peut peut-être essayer d'avancer. Pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les nobles Kazan, les nobles perdus de loyauté. Modif d'impôt à Kazan ou un en stab. Faisons ça. Voilà. On va aller par là. Ici, on va avancer. Pour sécuriser progressivement notre avance, notre percée dans la péninsule japonaise, dans l'archipel japonais, pardon. Est-ce que là c'est mieux? C'est moi ou ça bug plus maintenant? On va avancer jusque là-bas. On va prendre un général avec du siège. Genre lui me paraît pas trop mal. J'aurais dû faire un réseau d'espionnage dans le Japon. Erreur. Le Bangbourg, tu veux passer, pourquoi? Vas-y, passe. On va aller par là. On va avancer nos troupes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Perte de professionnalisme, perdons des réserves militaires. Franchement, on va en regagner, hein, de toute façon. On gagne 500 par mois, c'est un peu énorme. L'hégémonie, ça se passe comment alors? Ça se passe. Parfait. Avançons quasiment jusqu'à côté de la capitale, je vous propose. Voilà, voilà, voilà.
Ça devrait être assez rapide comme guerre quand même. Hein. Sachant qu'on a pris le fort là, on a pris le fort là. On va par là, toi. On va par là. Alors toi, ce que tu fais, c'est que tu prends un œuf et tu vas dégommer ça. C'est très bien, les conversions se terminent. Bon, ils sont à côté de nous, donc au cas où on pourrait les dégommer. Mais c'est quoi leur objectif à eux? Parlementarisme. Waouh, quelle horreur. Ouais. Voilà, et je pense qu'on va aller à Kyoto. Kyoto, ouais. On peut prendre une tech, pas d'intérêt. On peut prendre ça par contre, ça peut... Non. Non, c'est nul. Ok. Où est la flotte japonaise? De toute façon, nous dans ce traité de paix, ce qu'on veut déjà, c'est tout ce qui est continental. Voilà, déjà. Ensuite, bah pourquoi pas, hein, t'en servir. Ça déjà, ça me plaît. Ensuite, ça pourquoi pas. Bon, elle m'en fout. Si je fais un truc de ce type là. Non, c'est aux Britanniques ça. Ouais, on dépasse un peu quand même. Hein. Après, est-ce qu'on a un intérêt à le garder ce nœud du Japon? Il est pas si ouf que ça. Hein. Pas si ouf. On peut se résigner à prendre autre chose, mais bon. Parce que ça, c'est pas mal, mais là, ça nous donnerait trop de surexpansion. Et de peu, en plus. Hein. Faire quelque chose comme ça. Même là, ça passerait pas. Bon, on fait ça, alors. C'est pas là. Voilà. On retire style. On fait quelque chose comme ça. La thune. Pillage de la capitale, bien évidemment. Réparation de guerre, transfert de puissance commerciale. Voilà. Surtout que Kyoto, ça doit être pas mal développé. Bon, on va le savoir rapidement. Hop, 40, 82, ouais, c'est pas mal. 42, c'est pas trop mal. Le Fuji. Hop. La rigueur ici, comme il y a un fort... ils sont pas mal quand même. Hein. Voilà. Ici, il y a quelques... Y a... Non, il n'y a pas de grands projets, je crois que c'est... Alors, la carte des grands projets. Elle est ici. Il y a celui-ci. Qu'est-ce que ça nous donne? Ouais, c'est plutôt... Ouais, voilà. Et ça... Prestige les coûts des impôts de guerre, coûts des généraux, et le dernier c'est coûts des impôts, prestige plus 100, ouais. Et là, ici c'est quoi? J'ai pas vu. Ah, il faudrait qu'on appartienne à la sphère nippone. Bon, écoutez, on va y aller intelligemment. Ah, séparatiste Ming. Ils sont pas dans un réseau de forts.
dépêche-toi. Ça devrait le faire. Ouais, ça c'est bon, c'est tombé. Alors mon traité de paix, tu le veux ou pas? Toujours pas. Toujours pas d'intérêt à le faire. Bon, est-ce que là ils sont plus enclins? Bah voilà. Par contre, t'as thune aussi. Hein. On va pas se mentir. Ouais, ça va. Moi, je peux continuer cette guerre. Ça me pose aucun problème. Hein. Avance par là. Alors nos colons ils colonisent ces deux trucs là, ça c'est pas... Ah si, ça colonisait ça, donc on peut rappeler le colon et l'envoyer. Voilà, très bien. Et on va envoyer nos troupes ici. Oui, je sais que le Japon tu veux la paix, mais attends un peu, tu veux pas mon traité de paix. C'est pas ma faute quand même. On va faire ça, un hôtel de ville. Fait ça, peut-être un truc intéressant. 80, je prends du commerce, je pense que oui quand même. Voilà. Pour celui qui a 4 armée, tiens, voilà, manufacture, non, fourreau, il n'y a pas, bâtiment officiel, non, si, peut-être bâtiment officiel, non, il n'y a rien d'intéressant, que dalle. Très bien. Garnison, ça peut être pas mal. Voilà. Surtout qu'on a l'argent, donc on va se gaver un peu. Voilà. Voilà. Et Chico. Et là maintenant? Toujours pas. Hein. Ça me pose aucun problème. Hein. Bon, j'ai oublié ces provinces là. Tout en sachant que le score de guerre ne va faire qu'évoluer là. Donc, bon. Attendez, si on peut se taper une petite bataille navale, je suis pas contre. Il nous reste des trucs à légitimer ou pas? Ouais, quand même. Encore un, ça devrait aller. Voilà, ça c'est fait. Juste pour peut-être déglomer une partie de la flotte nippone, ça peut être très intéressant. Alors, que va donner cette bataille? On n'est pas trop mal. On a un bon amiral en fait. Hein. Ouf. Bon, ils ont... Ouais, mais si on peut continuer... Avec cette armée là, tu vas aller là-bas. Tu sais quoi, tu vas faire mieux que ça, tu vas diviser en 3. Allez là-bas, là-bas, là-bas. Ah, ok. Voilà. Alors, gain en corruption ou 2 en inflation. Gagnons 2 en inflation et faisons ça. Cool. Et on va continuer de convertir. Voilà. On va récupérer le reste de la flotte nippone ici.
Voilà, comme ça on coule tous leurs bateaux les uns après les autres. Faisons ça. Et on l'en par là. On va juste se reposer un coup. Voilà, c'est très bien. On va sortir. Non, ici c'est très bien. Ça, on va dégommer toute leur flotte. Ils s'en remettront pas. Intéressant. Bon là je pense qu'ils le veulent. Bah oui, sans deck. On va même exiger quelque chose d'autre. Non. Donc on prend un pillage de capital quand même. Non, même pas. Alors un peu moins de thunes. Un petit pillage de capital. Et ta thune. Voilà. C'est pas mal. Donc on prend tout ça. Toute cette zone là. Plus avec la Corée. De l'argent, des réparations de guerre, un transfert de puissance commerciale. On sera bon. Allez, go. Merci beaucoup. Ouais, ouais. Voilà, côté à côté, très bien. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre l'armée, on va la mettre là-bas. Et cette armée-là, on va la faire débarquer ici. Allez, go. On peut reconstruire des choses. Ah, un fourreau, très bien ça. Très très bien. Bah, toujours bâtiment de recrutement. Non, pas de marin, ça tape. Non, ça, ça tape. Garnison, voilà. On est pas trop mal. Bien sûr, il va falloir légitimer tout ce beau monde. Voilà qui fait. Bon, on va continuer à convertir. Non, tu veux pas? Voilà, tu veux. Bon, toi, Ushide, t'es quoi? T'es tributaire du Japon? Je sais pas, mais je pense pas que le Japon... Oh, si. Genre, dans le plus grand des cas, t'accepterais d'y aller. Bah écoute, ouais, pourquoi pas. On va juste se mettre en position, là. On va se réparer un peu. Mais toi, tu t'es dit, pourquoi pas. Bah écoute. Même pour toi, hein. Après on a l'option Corée, faut pas l'oublier. Il nous en manque encore un là. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va rappeler le colon. Ah bah non, ah, c'est très bien. Et on va envoyer le colon, voilà. C'est littéralement tout le tour de la planète. Hein. Bon, sachant que le Japon n'a plus de troupes. Plus 25, c'est pas mal du tout ça. Prenons ça les impôts. Conversion terminée, on continue. Non, je m'en fous. Bon, t'es vraiment sûr alors, mec, hein. Je te déclare la guerre. Bon, bah d'accord. Du coup, on va pas pouvoir tous les... Je pense que les légitimations, elles sont en pause, non? Ouais. Ça, par contre, c'est un très mauvais calcul de ma part. Après, on peut sortir le Japon. C'est l'avantage. On va retourner à Kyoto. On va faire appel à notre flotte. On va mettre ici.
Je pense qu'en reprenant ta capitale, ça devrait aller. Le Japon est en guerre aussi. Double guerre. Ah bah intéressant ça. Voilà, Kyoto c'est fait. Comment tu veux la paix là maintenant? T'es calmé? Pas encore. On va prendre l'autre fort. Voilà. On va prendre ça, un marchand supplémentaire, pourquoi pas. Et surtout où le positionner. On a ici, mais on a que 21% ici, ceci étant dit, c'est pas dingue non plus. On a ici. Avec un transfert. On peut pas, on est en temps de guerre. Ah, c'est pas grave. On verra ce que ça donnera. Bon, les colons, là, ils vont bientôt arriver. Ah, j'ai pas envie. Voilà. On a combien chez le Japon là? 25, on peut plus rien faire là, dommage. On va prendre ça, ça leur fera les pieds. Toujours pas. Hein. Et le Japon, il est à élever, waouh, impressionnant. Bon, ceci dit, tu voudrais la paix, mais maintenant moi je veux la réparation, de... je veux le pillage de la capitale et la réparation. Ouais, bah trop tard. Hein. Je pense que quand ce fort-là tombera, on pourra largement le faire. Voilà, ça c'est fait. Alors du coup, Japon. Japon uniquement. Ça passe là maintenant? Ouais. Ouais, bah. Donc on repite à capitale et un pot de guerre. Très bien. Go. Pour eux uniquement. Fous-moi la paix. Et rentre à la maison. Il y aura ça, buté. Eux ils sont alliés à... Ouais, ils sont alliés à ces deux gus là. On va attendre de coloniser ça et après on verra quoi. Et on a des séparatistes. Ben c'est bien. Les séparatistes tombent à côté de nos armées maintenant. C'est parfait. Enfin bon. Mais on verra ça au prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à plus les gens.